C'est quel journal déjà ? News of Marseille. Ah oui, je connais, oui, j'aime bien, je l'achète tous les jours. Bonjour Paul Belmondo, merci beaucoup d'accepter cette interview. Alors première question, que faites-vous là, à Marseille ? Eh bien en fait, je suis à Marseille pour le film La victoire est au bout du bâton. Où dedans, je joue le rôle de Jeff, donc qui est chorégraphe. Voilà. Chorégraphe ? Chorégraphe de majorette, oui. Ça existe. Mais bien sûr. Je vais vous raconter en gros l'histoire de ce film. C'est deux alcoolos qui sont... Dont vous ? Dont moi, ouais. Qui sont au bar, et puis autour, il y a des majorettes qui font je sais pas trop quoi. C'est ça, hein ? Ouais, à peu près. C'est ce groupe de femmes qui décident de faire une troupe de majorettes, qui s'en sortent pas, donc elles décident de faire appel à un chorégraphe. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du vin à la cantine, non, le midi ? Non, pas du tout, justement. Et comment ce scénario est venu à vous ?